Loki Dubi, yon artiste qui te prend pays d'Haïti pour lui. Nobody can stop reggae. Qui moun ki pa konn tit music sa? Fi tan kou garçon. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Voilà, jodi a n'a pas connu l'histoire citoyen ça. C'était un artiste engagé qui te vive de moments bête pas doué vivre dans l'enfance li parce qu'il t'a vive sous un système apartheid. Et bien là, on pose cette question nous. Qui citoyen ça? Loki Dubi. Mais avant, ça important pour me faire petit rappel ça. Nous connaît déjà me présenter nous, ça fait 2 années de souterrain là. Tap tap send ou même qui États-Unis, la France et Belgique ou en Europe de manière générale et puis au Canada ou ka fait transfert pour moun ou gen qui en Haïti pour assister facile avec tap tap send côté moun a recevoir l'argent sous téléphone sur un compte mon cash qui élargi ou juste télécharger application tap tap send là et puis rapide ou fait transfert et pas gain frais ou à payer pour transfert et en plus de ça tap tap send by l'autre petit bonus oui de vous utiliser l'application pour première fois et puis on a besoin $10 bonus pour jeune $10 bonus là lycée pour juste utiliser promo code ça va regarder dans l'écran là will qui peace leur faire transfert et puis tap tap send a permettre ou assister famille plus facile plus rapide pas gain déplacer chez ta la caillou l'argent vient joindre nous en rentrer dans vidéo nous aujourd'hui là. Ok, nom complet artiste là, nous allons parler de lui là, c'est Loki Philippe Dubi. C'est un pays Afrique du Sud. Il était fait le 3 août 1964. Si monsieur était là aujourd'hui là, il a gagné 60 l'année. Loki Dubi fait dans une famille Zulu. Famille t'a vive dans une province Mpumalanga, dans une petite ville qui est Ermelo. C'est là Loki Dubi fait. Loki Dubi fin tombé dans la vente. Pour maman la papa tout quitté. Dans ça c'est maman qui t'a élevé petit. Maman t'a élevé Sarah. Faut que moi dis nous Loki Dubi t'a fait tout mal. Mais c'était même dit ah, j'aime regarder petit à là, il pas chapé. Bon, il tellement chapé, il quitté belle petite musique nous connaît pour nous. Et c'est pronostic médecin ou même sous la vie de bébé qui pourrait le faire maman ajouter Loki dans nom. Loki a c'est un mot anglais qui voulait dire chance, chance. Bon, il y a l'autre version sous Loki a tout qui fait connaître maman pas kakembe petit chaque sale prend yo tombe et c'était Loki qui était arrivé kembe ça qui pourrait le faire li bay petit a non et ça pote. Monsieur gagne chance en pile. Ça qui est important même si gagne plusieurs versions Loki était parmi nous, il t'a ban nous bon si reggae nous. J'aime dire nous, papa l'a quitté la gueule depuis le temps en vente. Monsieur pas de compte papa, qui était au tafiate. En 1993, j'étais même posé la question ça, côté papa. Monsieur te répond, non, ça, m'pas contre s'il vivant, s'il mourit, parce que m'pas de jambes qu'on est. 5 années après l'an mois l'ouki, y'a un article qui est sorti dans des râles qui pral dit, papa l'ouki t'est semblé, c'était un Zimbabwean de y. L'ouki Dubi, t'y 4-4 sans papa, a grandi dans le pays Afrique du Sud. Mais maman l'ouki, qui vient jouer un petit travail, qui part dans la même ville là, li pral obligé quitter Loki, Axel et Tandy et puis deux frères Patrick avec Joe dans mes grands yeux t'es à grand Loki Dubi passer plus de temps en enfance li. En 1999 dans une interview il t'a déclaré grandi c'était mon li t'a vivre plus l'amour avec il a expliqué j'ai le grandi dans misère pas gain rad pas qu'à manger, c'était maman qui t'a travaillé pour vous et qui choye chaque mois, mais qui pas vraiment qu'à bailler manger et puis payer l'école. Mais c'était grand là, il dit qu'il était toujours là pour assurer. Bon, il tournait là, j'en ai regardé dans le village là quand il était grandi. Il dit tellement content, grand, il est toujours vivant. C'était dans l'année 1999. Il fait qu'on est dit grand là pour aller vivre ensemble avec lui dans la ville. Grand là, il va font pas. C'est là pour lui être dans le village là, c'est là pour le mourir. And you know, no clothes, no food sometimes, and all of that. It was a hard thing. I mean, as it was a very poor situation. You know, it was very poor. But I mean, I grew up, you know, because of my grandmother. Because I know sometimes she would go. You know, without food, she would go on without food for like 3 days or something, but she would always make sure that I get something to eat. I was the only one that, I mean, she was responsible for at that time. But as I grew up, there were like other kids that came in, because the thing with my grandmother is that she accept everybody. I just feel very happy that she's still around and I can still come to her and talk to her and all of that.
Because I wanted to take her away so she comes and lives with me, so I take care of her and all of that, like she took care of me when I was young. But she just doesn't want to go. She just doesn't want to go here. She loves this place and she loves every little piece of thing you see here. Fok mwen di nou, nan mouman lou ki dobi tap grandi a te gen sistem apartheid nan Afrik du Sud. Mwen fe video sou ki sa sistem apartheid la ye deja. Un sistem ki tap tout pizi, noa nan peyi sa. Pa gen yen pou noa. Pa gen bon sistem sante, pa gen bon edukasyon vre, pa gen travay. A 9 l'année seulement, Lucky Dubi t'as pas obligé à le travailler. Quand il était qu'on marchait dans Mpumalanga, à nettoyer jardin blanc, à nettoyer la couille. Et l'expérience de travail, ça, pas bien passé pour nous qui racontait. Dans l'époque, t'as grandi, y a gain de goût blanc. Action t'es qu'on fait, c'est camper dans deux rues avec plusieurs chiens qui méchants en pile. Et puis, vêti noir passé pour la guerre chien derrière. Un jour, il racontait pendant l'absolute l'école comme ça, il rencontrait monsieur Sao qui relève en parallèle, monsieur la guerre de chien derrière. Chien ou dévoré, il dit pendant le grand monde là, il dit Mac attaque chien ça au sous lit. Ça pour jamais, il racontait, un jour, il a travaillé à côté, et patron qui a un matériel électrique, il a besoin de petit jouer ensemble avec lui. Qui ça patron fait? Pour le besoin qu'on ait si fil matériel ça t'a cassé qui dégale t'a fait sous Timounio, il a qui carrément connecté à part là, il dit lui qui vient de un filo qui cassé. Monsieur dit le ton seul courant tremblé et tellement courant t'es fort. Il dit, ces gens de méchanceté ça où ils te vivent en bas main blanc. Dans le pays Afrique du Sud. Et c'est ça autour qui peut le forger, artiste Livinia, message qui peut la musique li, toute ça te vivre dans l'enfance li, ou les lap Gandhi te participer dans artiste Livinia. Lou qui pat à l'école à un moment donné, côté il te la gueule dans petit travail, et ça yo, et Livin ouais, travail ça yo pas quand même bal manger, et puis blanc maltraité, et puis il va décider de tourner l'école, il va rentrer dans Jandrel Secondary School. Dans le moment l'école ça, Lou qui était obligé aller dans ville Standerton. Kayon tonton, il était quitté côté le Kay Ganyan. Et la famille, c'est 15 km chaque jour pour lui qui doit bien marcher pour aller causer l'école. Ça, c'est levé à 5h du matin, getan fin préparé là, point out là, en pile fois sans manger, petit a frappé. Et c'est dans l'école ça tout, il va faire connaissance avec musique. Mais c'est pas reggae non. Là il vient dans l'école ça, t'es gen ti kou musique et il va remarquer monsieur gen yon belle voix, monsieur gen bien talent dans choral l'école là. Gen Billy Moussia qui était directeur l'école Lucky Dubia, qui racontait Lucky Dubi t'es commencé musique là dans salle côté chaque jour la répéter, la chanter, la prêter guitare dans l'école là pour faire ti jouer. Pour carrière musique Lucky Dubia. Pendant Lucky Dubi t'es l'école, il développer yon l'amour pour qui son musique. Il va rencontrer l'autre petit jeune dans l'école là qui partager même passion avec lui, comme ça, lui même ensemble avec lui pour le mettre sous pied au petit groupe de Skyway Band. Qui ça a fait? Il a prêté instrument à l'école là et il a interprété musique. Toute musique traditionnelle Zulu. Si monsieur pas gain l'argent vraiment pour acheter instrument, et là, Lucky Dubi pour aller écrire une pièce théâtre, il pour aller jouer pièce théâtre là, et là, il pour aller rentrer l'argent qui pour aller faire acheter une guitare. De l'année après Skyway là, Lucky pour aller quitter côté l'intérêt, il pour aller cailler un matin, il faut ça. C'est non cité dans ville Mada Deni. C'est là, il pour aller joindre un cousin, l'homme ça, qui c'est Richard Silouma, qui déballe 10 l'année. Richard commence à encadrer Lucky. Richard te gagne un groupe qui te relé de Lover Brothers, qui t'a joué musique traditionnelle Zulu et tout. Parce que c'est musique ça qui te kon fait hit l'autre bois c'est tout moun te content de. Et Richard qui wè Lucky Dubi gen pile talent rapide vite li foué dans un groupe là. Mais jusqu'à présent Lucky Dubi pot ko nan le game di nou. De Love and Border ça a commencé à faire parler de li nan ville là. Gen investisseurs qui commencé à fouéger pour garder comment ba yo a fait. Et c'est comme ça yo pral jwenn Til Record Company qui pral signer monsieur. Mais Lucky Dubi était toujours été l'école là en pile la musique qui était kan fait travail pour et studio a c'était dans vacances était kan fait. Sorti 1981 pour arriver 1982, c'est Lucky Dubi qui était chanteur principal groupe là. Et là, groupe là pral sorti premier album qui pral même porter nom Lucky Dubi. Lucky Dubi and the Super Soul. Lucky était chanté sur album ça, mais il pas écrit. Il va sorti deuxième album yo, et c'est sur album ça Lucky Dubi pral chanter et il pral écrit musique yo. Et c'est dans moment ça tout Lucky Dubi t'est commencé à apprendre anglais pi bien. Tout ça m'a dit nous là, Afrique du Sud beaucoup dans question reggae, pas une question reggae de bois, pas ça c'est dans Jamaïque la fait causer. Pour Lucky Dubi faire reconnaissance à reggae, c'est qui Jean? Dans le commencement années 80, Lucky Dubi était jeune petit garçon, l'a frappé dans la musique, pas billet, pays à sous apartheid. Il a coincé noyau. Pralgué Jimmy Cliff, un chanteur jamaïcain qui fait un passé dans l'Afrique du Sud. Il va le bailler un concert dans un stade dans Soweto.
Dans mitan fou la, Lucky Dube était là. Et Lucky Dube a gardé vibe musique reggae ça gien la donne. J'ai fait appel à mouvement social, j'ai mené mounyo Lucky Dube dit ah ouais, c'est rite ça même qui parle là. C'est lui qui a fait le passé message li besoin faire passer yo. Parce que me dit nous, Lucky Dube a évolué non système ségrégation, gien pile problème, li besoin faire message passer, gien pile frustration, capturer la système non, faut le faire passer. Et c'est depuis moment ça tout groupe là a répété musique reggae, y a chanté Bob Marley, peut-être Tosh, Jimmy Cliff, moun sa ou c'est idol yo. Mais problème nan, musique Bob Marley, c'est des musiques qui gagnent en pile revendication sociale là-dedans, au genre de musique ça yo pas vle wè yo nan Afrique du Sud qui soit pas tête, si yo ta genou a chanté musique ça yo quand même arrêté yo. Yo te même accepté Jimmy Cliff vin jouer, c'est parce que artiste ça, ti un ti jan pis sauf, li pas vraiment et rentré dans deux mouvements revendication. Et Lucky Dube lui-même, il dit lui-même, il déjà prend engagement ça lui-même, faut l'engager. Koun ya nan programme de Love Brothers a joué, yo joué en pile reggae jusqu'à ce que c'est seulement reggae au vinab joué, mais c'est toujours interprétation. Et là, message contre racisme, contre injustice dans musique reggae jamaïcaine commencé à atterrir bien dans mi-temps à partir de là. Monsieur ouais fait avant Lucky Dube te rele tête li et Lucky Dube de Super Soul. Après 4e album ak monsieur, li pral kebe non Lucky Dube a seulement. Monsieur a joué reggae, mais musique traditionnelle en Zulu yo, c'est yo qui base groupe là. C'est en 1984, Lucky Dube pral lancer officiellement dans reggae. Il pral sorti premier musique li. Et en 1985, yon l'année après, il pral sorti un mini album qui rele Rastaz Never Die. Album ça a te gen 4 musiques sous li. Rastaz Never Die. Gonna play it man till it's number one. Rastas never die. Reggae music never dies. Fraîcheur, I Love You et puis Reggae Man. Mais contrairement à l'album qui était fait dans style Mganga qui c'est style musique Zulu yo, album ça pas trop marché, yo te vend seulement 4000 CD yo. Parce que le gouvernement te interdit album nan, si tout musique Rastaz Never Die lan qui t'a critiqué système apartheid lan, et puis un peu de monde tout qui pas con reggae, qui pas habitué à reggae, yo pas ka embrasser projet a. Mais Lucky Dube pas découragé, il continue à jouer reggae, les belles pavle signe, il continue à frapper. Ferme je, l'ouvre je, il pousse un deuxième album encore, un album reggae, Think About The Children, qui sorti en 1986. Ah, yo pas qu'à résister. Rapide vite, album sa vigne un succès. Il pral aller gagner 10 platines dans mail. Après, il pral sorti Born To Suffer. Bon là, Lucky Dube pral vigne un artiste populaire dans le pays Afrique du Sud. Et avant Lucky Dube te consacré dans reggae net, il même avec Richard te sorti un dernier album en Zulu. C'est des rapidité quand tu as critiqué vie mes qui gagne dans société a. En 1987 c'est full reggae le pral li pral sorti album Slave. C'est sur album ça on parle jeune musique Slave là. Ou jouen sou li tou, I've Got You Baby. I am going around the world, trying to find a woman. A woman that will understand, yeah. I am going around the world, trying to find a woman. A woman that will understand, yeah. I've got you, babe. I've got you, babe. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Et back to my woods. Album ça c'est plus passé 500 000 exemplaires qui te vendent la laine. Avec album ça, Lucky Dube fait tourner en France, États-Unis, c'est concert qu'a fait, concert qu'a gagné pour 50 000 moun, Lucky Dube tourner artiste planète là. Et en 1988, Libral sorti album Together As One qui te gagne 8 musiques sous les parmi yo, Together As One là, musique ça c'est manyen moun tout côté.
Prend tout le monde dans boule là dans la diou tout le monde raille système à partir de là pour que ça au même ou un mail nous tout en fait un seul et musique ça c'est des musiques qui sous bouche tout le monde cap souffrir qui en bas oppression et système apaisé et musique ça tout t'as pas le premier musique que t'as pas joué dans radio blanc dans pays Afrique du Sud album ça c'est plusieurs millions exemplaires qui te vendent là-dedans en 1989 il pral sorti album Prisonnier qui te gain 8 musiques sous lui parmi eux t'es joué une Prisonnier Remember me? You left for the city many years ago. You promised to come back and take care of us. Tell you whatever you want, remember me. Whatever you do, don't cry. We get strong. C'est million album qu'a vendu. Album ça a double platine en 1990. C'est concert en Europe, c'est concert aux États-Unis. Running chorus, three girls doing chorus. Ça fait la whole section, c'est ça. Le Kid Ube, plus de 800 000 albums vendus, 20 000 de plus que Michael Jackson. Là-bas, en Afrique du Sud, c'est... En 1990, il va sortir un CD live et il va jouer dans le festival Sunsplash dans le pays Jamaïque en 1991. Il va faire la une tout journal l'autre boza. Et pendant la période ça tout, le Kid Ube pral faire tourner dans pays Japon, dans pays Australie, il pral partager scène avec Céline Dion, Michael Jackson, Seal et Latrier. En 1991, il pral lagué de yo album House of Exile. Sous album ça, te gain 10 musiques parmi yo jeune House of Exile. It's not easy. Mama said to me,
album plusieurs platines qui prend awards, c'est gros causé. Et là nous revient en 1993, il prend sorti album Victims. Sur album Victims là, on te joint Different Colors One People. Ray! Des jeunes victimes. Didn't know she was crying until now it's your turn to look at me. She said I'm what she said. The victims said. She said we got trouble. Et faut que me dis nous tout en 1993 ça c'est année qui t'a gagné élection dans le pays Afrique du Sud. Nous songe Nelson Mandela qui était sorti dans prison, il t'a pas participer dans élection ça. Afrique du Sud tout c'était un pays qui t'a gagné taux analphabétisme qui très haut là-dedans. Qui donc moun pas quand même signer non yo. Le guide bi t'est tombé marché dans ville en dehors avec équipe li, côté t'a travail pour te faire moun yo connaît qui gens pour yo voter, qui gens pour yo marquer bulletin yo. Donc le guide bi t'est un artiste très populaire dans époque ça. Le monde t'est aimé style musique et t'a fait style reggae t'a fait pour j'en te refléter couleur Afrique là pour j'en li mélodie clatée tout mon terrain mais danser sous style reggae Lucky Dube. Et là nous arrivé en 1995 même Lucky Dube pour aller quitter Afrique là qu'on a pour aller signer contrat avec Motown dans pays États-Unis pour Motown il pour aller mettre dehors album ça qui c'est Trinity. En 1996 il va sortir un album compilation avec toute musique qui était vraiment fait yo qui est Serious Reggae Business. C'est lui même qui était qu'on a passé dans toute la riporte au prince. Et bien album ça tout pour le faire Lucky Dube vin artiste africain qui te vend plus album dans le monde libéral artiste international de l'année. Et dernier album Lucky Dube pour le sorti c'est en 2006 côté libéral mette dehors Respect qui te gagne 12 musiques sous lui parmi yo Respect là rivé en 2007. Et c'est là drame n'a pas arrivé dans la vie Lucky Dube a qui pour le quitter nous en septembre 2007 il pour le faire dernier tournée. Et après tourner ça en octobre cause yo pral mal passé. Bon dit. 18 octobre 2007 nan après-midi, le Lucky Dube trouvé dans une machine qui c'est un Chrysler 300, c'est tout neuf abîmé dans Wostonville dans pays Afrique du Sud. Chrysler 300 CA c'est modèle machine ça, c'est une machine américain, c'est groupe Stellantis qui fait machine ça aujourd'hui là, il fait tout machine Dodge yo avec Jeep yo. Et bien ça qui passe avec Lucky Dube, yo groupe nèg qui t'est semblé à suivre cette machine là, nous on est machine artiste dans une ville li remarquable. Et bien nan jour soir ça monsieur yo paraît pour voler machine artiste là. Bon, li gen l'a fait tentative pour l'échapper pour lui. Et bien là monsieur pour le mettre plomb. Pew sous lui. Il était dans 8h du soir. Monsieur met le balle sous le champ Lucky Dube mouri. Dans machine là, t'es gen petit garçon qui t'est gen 16 l'année et puis petite fille qui t'est gen 15 l'année. Et dans moment ça, Lucky Dube t'est gen 43 l'année. Tout pays choqué net, toute Afrique du Sud choqué net, même international là, nouvelle là mette tristesse dans que en pile moun. Et bien rapide, yo pral lancer enquête. Yo pral mette main sous 5 nèg et trois là-dedans te participé dans zak la vri, yo pral condamné yo en mars 2009. C'était Sifiso Mlanga, Julius Nzoa et puis Mabe Mbouti. Là au fait monsieur parler, yo déclaré carrément yo pas connait si t'es artiste là qui t'est trouvé dans machine là ou yo t'es pensé c'était un Nigérien, c'est ça que fait yo tiré là. Bon j'aime dis nous yo condamné monsieur pour la vie mais yo gaspiller la vie artiste là net. Pour vie privée en pile moun te wè Lucky Dube gen dread nan tête li mais madame ni tout te gen dread. Mais Dube te yon chrétien sioniste, li pa considéré le tankou yon rasta traditionnel, li te gen style de vie li ki a pas, li pa manger viande, li pa jam fumé, li te même déclaré si rasta c'est gen dreadlocks, c'est fumé ganja, boire alcool, li même li pa rasta. Mais si rasta c'est gen conviction, c'est rentre nan de lit, c'est vivre une façon qui sain, oui, li c'est rasta. Pour Lucky Dube te gen 6 petites, gen sous qui dit c'est 7. Il était marié déjà et musique itinatise a parlé de histoire mariage li, quand elle vivait un divorce qui très difficile. Et c'est seulement là tout le parler du mariage. Après, il pral marié ak Zanele Mdjouli. Il était rencontré Zanele en 1980, il était adolescent. Mais c'est en 1989, il pral mettre ensemble et puis il pral marié.
et dame ça t'es toujours accompagné dans tout tourner li yo les lui qui lui était mourir il était qui était un bébé 3 mois et puis l'autre petite qui était dans tilage gien petite fille qui doubé qui c'est une couler doubé li fait musique tout li gien duet li toujours à faire des événements pour kembe mémoire papa après ça gien l'autre ti moun yo même c'est question étude yo al faire tant kou tokozani qui al faire étude dans question business pour héritage ça le qui doubé quitté pendant passage sous terre il était metté dehors plus passé yon 20aine albums il remporté plus passé 20aine prix international ak local il joue non pile ville en Europe en Asie États-Unis il c'est artiste qui premier mené reggae fait chita dans pays Afrique du Sud il c'est plus gros artiste engagé Afrique du Sud en 2018 Ricodi sorti un album compilation qui est les rétrospectives qui prend musique qui t'ai fait hit yo ak l'autre qui pour cou sorti pour rendre hommage à Lucky Dube dans deux pays tant kou Australie Lucky Dube rete tant kou yon icône yo même relèl plus que les Beatles. En Haïti, dans l'année 2005-2006, nous songeons merveille Lucky Dube te fait dans le pays. Tout côté au passé, dans toute radio, c'est Lucky Dube qui attendait. Yon machin qui a 20 cassettes. Si vous n'avez pas de cassette, Lucky Dube, et moi, pas 20 cassettes, machin. Et te même yon traduction et musique Lucky Dube dans la langue créole qui te vient en pile monde te comprendre musique. Yo. Malheureusement, pas vraiment joué non monde qui te fait traduction ça, qui te marché en pile. Et franchement, dis nous tout, yon célébré anniversaire Lucky Dube dans plusieurs pays dans le monde, dans Zimbabwe, Zambie, Burkina Faso, dans Namibie, dans Malaisie, même, il y a une bibliothèque qui porte le nom Lucky Dube. Donc, il y a des gens qui te pensent, dans le moment où tu as des musiques Lucky Dube, c'est des musiques qui te font sortir. Si vous regardez dans la vidéo, toute musique qui te fait hit, c'est dans les années 80-90. C'est des musiques qui ont plus passé là, 30-35 l'année. Eh bien, c'est les mélodiques dans le reggae qui fait durer comme ça. Il y a tout Lucky Dube en 2007, même j'en étais dit là, il toujours était vivant avec Zev Lio parce que Rasta pas jamais mouri. Voilà, nous arrivons dans la fin de la vidéo. M'espérer un pile de monde qui t'a demandé la vidéo, ça, yo well et puis yo satisfait. Mais pas oublier tout partager pour l'autre monde qui a well, pour qu'il y ait des informations ça, sans doute remettre à ça, mais pas jamais vraiment des informations sur lui pour qu'on qui m'a dit. Donc, n'a pas campé là, j'aime dire là, c'était Will qui Toussaint et pour la communauté, n'a pas croisé dans l'autre vidéo. Peace.